Et petit. Ah, alors voilà qui change la donne. Ah. Et puis il y a quelques illustres coureurs lâchés. Ah, on a vu, j'ai vu Rolston. J'ai vu aussi Nuyens ainsi que Quinn Vermelfort. Voilà. Mais ça va rentrer, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va rentrer. Voili, voilou. Je trouve que Guédon est un peu mal placé, malgré ça. Malgré ça. Ces barres qui sont plutôt au top niveau. C'est mal placé. Mon peloton roule tant que l'échappée ne sera pas reprise, donc ça vaut pas le coup d'attaquer. Malheureusement, ma tactique. L'idée est là, mais à réaliser, c'est pas le top. Dès qu'il sera repris, je partirai en contre sans attendre. Je le préviens tout de suite. Il faudrait déjà que je sois un petit peu mieux placé, parce que sinon je vais me faire lâcher, ce qui serait dommage. Juste parce que pour un mauvais placement, ce serait cher payé. Essayer de remettre. Voilà. Très bien. D'accord, il est redescendu aussi sec. Bon, tant pis. Alors, maintenant, Guédon va être esseulé dans le milieu hostile des pavés. Je pense que je vais attaquer à la sortie de ce secteur. Ah non, mais non, je suis bête et le milieu est toujours pas repris. Ah, il est relou, lui. Dédicace au passage à Tom Relou. Illustre coureur cycliste qui court je ne sais où, je crois qu'il est sans contrôle ou en amateur. Vous regarderez vous sur internet. Oula, non, j'ai fait une pause, ça va pas. Ça. Je crois bien que mon chien aboie et que ça va vous perturber, donc je vais pouvoir lâcher un magnifique Flash ta gueule! Voilà. Alors, Elmiger bientôt repris. C'est bon, ça, c'est bon. Je pourrai attaquer plus tard que prévu, mais l'essentiel, c'est que Guédon soit toujours là. Et en forme. Ah là là. Et Sébastien Hinault s'envole! Oh là là! Alors là, Elmiger bientôt repris. Faut que je me prépare à partir à l'assaut, moi. Mais je m'enfonce malheureusement dans les tréfonds du peloton. Non, je ne veux pas subir un nouveau bide, et ça n'arrivera pas! Car Guédon remonte. Et attaque de Frédéric Guédon! Et... Oh non. Ah, le spectre de Péric est meneur. Non, il ne démarre pas! C'est le fail! C'est horrible. Et ben, je ne vais plus avoir le choix. Je vais devoir rester dans ce groupe et être probablement bientôt lâché. Ah là là, c'est horrible. Quel destin tragique. Je m'en veux de pas être parti plus tôt maintenant. Hein. Ah, maintenant, je vais devoir m'accrocher. Ça, il tient, mais bon. Le groupe favori, je pourrais le suivre jusqu'à la fin, mais le seul souci, c'est que je sais pertinemment que Cancellara et tout vont attaquer. Vont attaquer. Et si Tom Boonen gagne, je me permettrai de placer une dédicace à Mehdi Rouche, voilà. Voilà, Chenel est lâché. Guédon est maintenant seul parmi les 23 favoris. Ouf, ça va être dur. Dur, dur, dur. J'aurais aimé une arrivée au sprint. Enfin, on n'est pas loin de l'arrivée quand même, mais ça va se décanter plutôt que prévu, hein. Je me fais pas trop d'illusions. Surtout que je suis très mal placé là. En queue de peloton, ça va pas. En plus, oh, Incapi qui a l'air de partir tout seul, c'est étrange.
Les passages pavés, c'est étrange. La plupart du temps, les courses pavées sont les seules courses réalistes dans PCM. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre que Bounen ou Cancellara gagner sur Paris-Roubaix quand je les joue. Donc. Ah là là, ça y est. Ah oh, qui l'eût cru? Je suis sauvé par Sébastien Hinault. Alors ça. Qui aurait pu croire qu'un jour je serais sauvé par Sébastien Hinault? Ah là là, c'est trop dur là. J'ai plus de barre rouge. Ah là là, je sens que ça va se solder par un nouvel échec, malheureusement. Je le sens, il faut que je m'accroche à ce groupe là. À tout prix, mais là va y avoir le passage pavé, le biggest passage pavé ever. Donc à mon avis, c'est mort quoi. À moins que. Allez, tentons. Tentons, tentons. Ok. Ah, pourquoi moi? Sérieux, c'est horrible ça. Enfin, j'aurais mieux tenu le choc qu'avec Perry Kemener, mais bon, c'est normal, il est meilleur en même temps. Mais bon, il faut que je joue avec les notes qu'ont les coureurs à côté de moi. Voyons, ils ont 77, 75, 77. Ça va, je suis pas avec. Je suis au-dessus de la classe avec laquelle je devrais être. En tout cas, Sébastien Hinault, c'est surprenant. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait avec 76 pavés, il les mérite absolument pas. Je crois que oui, il y a eu les attaques et la victoire est en train de m'échapper. Ce qui est triste. J'essaie de m'accrocher à ce groupe là, tant bien que mal, hein, parce que là, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. En tout cas, je suis avec Wouter Weiland et Sylvain Charbonnel. C'est malheureusement, je crois, fini. Hein. Je vais essayer de rouler pour pouvoir revenir. On sait jamais. Non, je vais essayer. Ah voilà, je vais essayer de reprendre ce coureur. Je vais essayer de me placer quand même. C'est dommage, hein. J'aurais voulu franchement être dans les 10. Ça aurait été vraiment acceptable. Alors là, j'ai rattrapé O'Grady. Ah bah, je suis en train de. D'envoyer du pâté, comme dirait Antoine Touchard. Ouh là 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 là. Ça va être dur de reprendre le groupe Mascante. Et je pense pas que j'y arrive. Bon, tant pis. On va. De toute façon, c'est bientôt fini. Ta-da-da-ta-ta-ta-da. Ah oui! Paolini qui va tomber sous les coups de Frédéric Guédon. Mais en fait, non, voilà. C'est encore un bide à mettre à mon actif. Conti va gagner. Bon. Original, hein. Il est suivi par Uchoft, Pozzato, Fletcher, des attaques d'un kilomètre comme on en voit que dans PCM. Et Bounen est battu! Ah, tu rages, Mehdi Rouche, hein! Oh, attends, j'ai quand même envie de voir l'arrivée sur le vélodrome, c'est toujours quelque chose de grand. Toujours quelque chose de grand. J'aime beaucoup. Région Nord-Pas-de-Calais, dédicace à Mathieu. Et Cancellara qui va franchir. Ah! Frère Guédon! Il a toujours pas repris le groupe Mascante, malheureusement. C'est dommage, c'est fort dommage. Et je vais me faire prendre un tour par Cancellara, je pense. Je pense, oui. Alors, Cancellara qui remporte une nouvelle fois Paris-Roubaix. Et qui me plonge encore une fois dans un échec. Bien dommage. Bien dommage, bien dommage. Je me sentais franchement capable de réaliser ce défi, mais non. Mais non, mais non, mais non. Et Guédon. Guédon, je pense pas qu'il soit dans les 10. Hein. Ça m'étonnerait tout de même. Là, il sprint considérablement dans le vide. Il y a encore un groupe devant moi, je ne serai pas dans les 10. Je vais me faire doubler par O'Grady, c'est sûr. C'est dommage. Non, non, bon, ça va en fait. Je tiens le coup. J'ai tenu le coup. Et bon, bah, c'est dommage. Hein. Je me sentais capable de faire mieux que ça. Mais finalement, eh bien non, quoi. Bon. Voili, voilou, quoi. Voilà.
Alors, x8, on ira voir les classements. Suis mauvais! Est-ce possible d'être aussi mauvais? Ah, et les abandons. En masse. 8-10, Cruopis. Alors, alors ça, c'est un beau bug. Ouais, voilà. Alors, allez à la page des résultats. L'enfer du Nord pour Cancellara avec une magnifique photo du vélodrome sans le vainqueur. C'est beau. Alors, Cancellara, je ne suis même pas dans les 15 et je suis 16e avec Guédon. Bon, c'est encore un incroyable échec de ma part. Et en attendant, la prochaine fois, je vais vous demander de me faire des nouvelles propositions de défis. J'établirai une shortlist et vous ferez voter comme la dernière fois. Allez, soignez-vous bien et à bientôt. Ciao!